Salut les amis, ça les gaming. Aujourd'hui, je vous propose un gameplay sur Super Nintendo avec la famille Adams, une version anglaise. J'ai utilisé l'adaptateur Super Nintendo. On pouvait lire les versions américaines. Donc je me suis dit, ça peut être pas mal si un jour je trouve des jeux pour pas trop cher. Je sais que les versions américaines sont un peu moins chères que sur les versions PAL. On verra, peut-être un jour j'arriverai à trouver des jeux à République sur cette version-là. Bon, en anglais c'est pas choquant, moi je trouve. Mais ça peut être pas mal de le trouver en. Je sais que les prix sont plus corrects en. Attendez. Voilà. Alors c'est parti les amis, on va faire un petit gameplay rétro gaming. Ça faisait hyper longtemps que je n'en ai pas fait. Donc ça va être l'occasion de vous en faire un. Sans la Super Nintendo. Le jeu est horrible, j'avais oublié ça. Bon, je pense que le gameplay va pas durer longtemps, mais bon. On verra bien. J'aimerais bien aller avancer plus vite dans le jeu. On va prendre le temps. J'ai vite fait tester une fois pour voir si ça fonctionnait le jeu. Donc, on verra bien. Il y a un passage par là. Je me rappelle ça. Ok, bon, je sais pas, c'est en anglais, alors du coup je peux pas comprendre ce qu'ils disent. Parce que le jeu il est pas français. Je sais pas ce que c'est ça. Oh, un cœur, yes. Un petit cœur. La musique elle est sympa. Hein. Oh là là. Ça rigole pas. Là. Ça rigole pas. Oh bah quand même, tu reviens ici. Mais par contre, je dois avoir des vies sûrement, je pense. 3 vies, je crois. Je sais pas, c'est en bas de l'écran. Est-ce que tu me balances des plantes à la con? Yes, touché. Par hasard, il y a un cœur juste là. Je le tâche parce que j'ai pas envie qu'il me touche. Oula. Par contre, qu'est-ce qu'il est rapide le bonhomme? Attends, hop. Ouh là là. Aïe. Oh là là, c'est chaud. J'ai pas été encore à loin, j'ai juste testé pour voir si la cartouche passait bien dans mon adaptateur de la Super Nintendo. Pour dire l'américain. Donc en fait, vous mettez une cartouche classique française et vous mettez derrière l'adaptateur et vous mettez la cartouche blanc américaine devant en fait. Si vous savez pas, c'est comme la avec la NES, c'est la même chose. Il faut sauter par là, voilà. Tac. Oula, je me suis fait toucher. Je laisse un petit peu de son. Tac. Il faut faire quoi un peu? Que j'aille là. Ah merde, je me suis fait toucher comme un con. Ouais, il me reste 2 vies, d'accord, faut que je fasse ça. Attention. Non, je peux avoir un game over. Donc il faut que je les évite absolument. Ouh là là, c'est chaud. Il y a une porte là. Je peux rentrer dedans, d'accord. On faut rentrer dans le château. Ouh là là, c'est quoi cet endroit là? Ah, il y a pas mal de passages ici, c'est ouf ça. C'est marrant ça. On peut rentrer dans l'arbre? What? Waouh, c'est ouf ce jeu. Bon, c'est dingue comme jeu. Hein. Regardez, il y a plein de passages. C'est pas comme. Ah, il y a un cœur là. Merde, pas d'avoir. Dommage.
Je vais aller voir quand même ce qu'il y a là-dedans. Voilà, je sais pas ce que c'est. Oh là là, c'est chaud là. Merde. Attends, il me reste une vie là. Je vais quand même faire ce niveau là. Que je suis mort, on peut s'accroupir aussi un peu, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a là? Et il y a de... il y a des trucs en dessous. Merde, je fais toujours. Attends, là c'était. Non, on peut pas, merde. Je vais récupérer le truc qui était là-dedans. Merde. Ah, game over, continuer. Ah, on peut continuer, d'accord. Ah, ok, et tu reviens par là, d'accord. Bon, attends, explorons d'autres endroits. Qu'est-ce qu'on a là? C'est marrant comme jeu. Je le découvre, les amis, hein, franchement. Je le découvre pour la première fois. J'ai vite fait tester rapidement quoi. Donc je vais pas me faire spoiler le jeu. Je sais plus quand j'ai testé, c'était quand j'ai testé. Je sais plus. Quand j'ai eu la cartouche quoi d'un abonné. Qui m'avait filé, j'ai eu c'est pas un abonné. Ouais, c'était un échange que j'ai fait avec un abonné. Je me rappelle. Grâce à lui, je l'ai eu ce jeu. Bon, j'aurais pu l'avoir en français, mais je sais qu'il est, il est trouvable hein, en français. On va au moins. Merde! Putain! Merde! Oh putain, attendez! Excusez-moi! Et merde! Attendez, j'ai coupé le. La vidéo. Hop! Alors, les amis, je suis désolé, j'ai appuyé sans vouloir avec mon pied. Du coup, en plus, l'adaptateur est un peu capricieuse. Bon, on va revenir par là. En fait, c'est gelou et c'est labyrinthe ici. Et en fait, ça doit être des niveaux, ça. Bon. C'est un peu bizarre comme jeu par rapport à ça. Je trouve ça un peu étrange. Ce qu'on a là. Ça sert à quoi, ça? Ok, c'est des ennemis, d'accord. C'est un peu bizarre le jeu, je trouve. Bon, en même temps, c'est une découverte. Hein, c'est... Oula, je sais. C'est un peu dangereux ce niveau là. Donc en fait les portes c'est des levels, des niveaux quoi en fait. D'accord. Bon. C'est un peu spécial. C'est un ladar sous, genre tu vas dans les endroits à l'autre. Voilà, quoi. Tu explores le manoir, tu explores l'extérieur. Ouais c'est spécial les amis. Hein, ce jeu. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà joué à ce jeu là, mais bon. Attendez, je vais aller ici. Taper, c'est con là. Les graphiques, c'est assez joli par contre. Ça, je vais pas plaindre. Ah merde! J'aurais peut-être dû sauter. Merde, hop, je... Merde! Oh putain, c'est chaud! C'est quoi ce jeu? Je peux sauter? Mais on peut pas? Attends. Si je fais ça, on en peut pas. Ah, mais c'est impossible ce jeu! Ah, si, bon, on peut sauter. Ah, c'est marrant!
Il est bien, faut rebondir sur les limites, ça va plus sauter. Il saute quoi, d'accord. Ouais, c'est pas facile, hein. À quoi que ça sert les... Ça sert ça, je n'aime pas ta vie. Ou ça donne... Ah, les dollars, ça sert à donner de la vie, d'accord. Je crois. Aïe. Ça fait toucher. Oh putain, ça glisse. Ok. Ah, c'est un stage bonus. Ok, j'ai rien dit. Ah ouais, d'accord, c'est le même niveau, mais... Tu récupères des dollars, ok. Ah, et puis ça récupère de la des cœurs, ok. J'ai un cœur comme une merde, bon c'est pas grave. Okay. Merde. Oh la musique de gamer. C'est ça. Il m'a reçu une vie. Bon, après ça on verra si on a le gameplay. Ah mais lui il va me faire chier. Non, ça va, ça repop pas. Ça c'est bien, je trouve que c'est intéressant. C'est pas l'ennemi qui revient en boucle là, genre tu il revient. Ouais, non, ça c'est bien. Pas comme dans les jeux, c'est chiant quoi. Ah, je suis arrivé dans un level. Ouah, c'est quoi ce délire? C'est quoi cet endroit? Okay. Voilà les amis, je pense que c'est voilà. Ça. Donc en fait, si j'ai bien compris, tout ça, ce sont des niveaux, d'accord. Bon, voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, c'était un petit gameplay sur un jeu Super Nintendo. Je vais vous rapidement montrer ce jeu-là. J'espère que voilà, c'était assez rapide, mais bon, voilà, je voulais pas trop tarder là-dessus, mais je vois que c'est un jeu vraiment un peu spécial. Il faut faire des niveaux dans les portes, d'accord, dans le manoir. Puis il y a d'autres trucs à l'extérieur, j'ai vu. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce petit gameplay sur Super Nintendo. Voilà, la version anglaise que j'ai utilisée, que j'ai eu d'un abonné. Grâce à lui, je l'ai dans la collection, même si c'est en version américaine. Comme ça, vous allez pouvoir apprendre qu'on peut jouer à la Super Nintendo avec un adaptateur. Donc comme ça, ça m'a permis de l'utiliser. Parce que je l'avais eu dans un marketplace, je l'ai eu ça par un gars qui m'a vendu ça, je crois. Donc je suis content de l'avoir, cet adaptateur. Donc je vais essayer de m'acheter, peut-être plus tard, République des versions américaines. Voir les prix sur certains jeux où ils sont assez chers, peut-être en version américaine. Ils seront peut-être moins chers comme les Castlevania et autres jeux, quoi. Voilà, allez, ciao les amis, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Abonne-toi.